certains mis à contribution dès Paris pour le souvenir de la Grande Guerre. Monsieur Michelet est responsable du comité de la flamme. D'accord. Alors n'oublie pas qu'on dépose, hein, on recule, on observe une petite minute de silence, on salue quelques secondes. Hein. Autrefois, les jours précédant le 11 novembre, les anciens combattants eux-mêmes transféraient la flamme de l'Arc de Triomphe à Verdun. Aujourd'hui, le service est assuré par de jeunes sportifs. C'est le relais de la flamme, direction Verdun, un périple de 350 km en 3 jours et 60 étapes. Beauzé-sur-Aire dans la Meuse, kilomètre 300, depuis Paris. Verdun n'est plus bien loin et comme à chacune des 60 étapes, le relais de la flamme s'arrête au pied d'un monument aux morts. Classique, le dépôt de gerbe, la minute de silence, la Marseillaise, les élus locaux. À droite, Monsieur Michelet, le responsable du comité de la flamme. Mais derrière, qui est cet homme, à fière allure? Maurice a fait partie de notre équipage, on peut dire, de ces 30 personnes, depuis le départ, depuis Paris. Et vous êtes de ce bataillon aussi? Ah non. Pas du tout. Dans le civil, vous faites autre chose? Je suis retraité des fromageries belles. D'accord. Et donc, autant que je peux, je vais dans les cérémonies commémoratives. Le marathon se poursuit comme une voisine Nubécourt, là où est enterré le président Raymond Poincaré. Pour les sportifs, direction l'église. Monsieur le maire, voici la flamme qui a été prélevée à l'Arc de Triomphe le 30 à 10h et qui va rejoindre Verdun ce soir à 18h30. C'est là que se niche le monument aux morts et aux disparus. C'est la fin de la journée, l'heure prévue pour l'arrivée du relais de la flamme sur la Meuse à Verdun. 329 km en 3 jours depuis Paris. Au monument aux morts, Monsieur Michelet du comité de la flamme, le poilu Maurice, les sportifs, le maire, le préfet, les personnalités locales, nos deux historiens Juliette et Antoine, le colonel Schwint, président de l'association pour la sauvegarde du champ de bataille. Au-dessus des remparts de cette ville, tant de fois menacée, comme des sentinelles, des éoliennes. Les grandes machineries d'aujourd'hui, symboles de paix et d'énergie nouvelle, en lieu et place, de la grosse artillerie d'hier, sur les crêtes de Verdun. C'était en 1916, il y a presque un siècle.